Alors bonsoir à tous. Tout le monde a vu la pierre? Oui. Ça va? Tout le monde a observé? Il y en a qui n'ont pas vu. Tant pis, c'est fini. Parce qu'après, c'est payant. Hein? Ah ouais. Là, c'était gratuit, c'est fini. Alors, moi, je m'appelle Michel Admirat. Je suis chauffeur du camion, la camionnette qui est là. Je me promène avec un caillou. Il y a combien de personnes qui voient la pierre pour la première fois, en vrai? Ah, quand même. Il y en a quelques-uns, il y a des redoutants, alors. Hein? Il y a quelques-uns, alors. On est obligé de raconter l'histoire. C'est vrai. Alors, vous savez que la pierre, elle vient d'Uruguay. Tout le monde connaît l'Uruguay. Qui c'est qui ne connaît pas l'Uruguay? Bon, c'est obligatoire. Hein. Si on ne connaît pas, on ne peut pas rester. Alors, la pierre, c'est ça. L'Uruguay, c'est ça. L'Uruguay, un petit pays, l'Amérique du Sud. Vous voyez où c'est l'Amérique du Sud? C'est en Amérique, on est d'accord. Il y a le Brésil au sud, et au sud du Brésil, il y a l'Uruguay. L'Argentine, l'océan Atlantique, le Rio de la Plata. L'Uruguay, c'est le tiers de la France en superficie. Donc par rapport à la Belgique, vous allez faire le calcul. Hein. Je ne sais pas combien c'est, ça fait beaucoup. Le Brésil, c'est 45 fois l'Uruguay. L'Argentine, 16 fois. C'est un tout petit pays entre les deux grands. Hein, je précise, j'insiste parce qu'il y a encore parfois des gens qui m'appellent et qui me disent, on a regardé la carte de l'Amérique du Sud, on n'a pas trouvé l'Uruguay. Moi, je vous garantis que ça existe. Hein. Je suis allé vérifier tout bien et chaque année, je vais voir, il est toujours là-bas. Dans ce pays, il y a 3 200 000 habitants. La moitié sont en bas, à Montevideo, dans la capitale. Tout le reste, il y a beaucoup d'espace, il y a des vaches et des pierres. Des vaches, il y en a partout. Les pierres, au nord du pays, la région d'Artigas. C'est là où il y a les carrières, où on extrait les pierres et les minéraux. C'est là où a été trouvée la pierre. Un pays, un caillou. C'est comme s'il y avait une ressemblance entre les deux. Voilà. C'est ce qu'on appelle le hasard. C'est quoi le hasard? Eh bien, le hasard, c'est ça. C'est Dieu qui passe incognito, il paraît. Un pays, un caillou. Voilà. L'histoire est finie. Merci d'être venu. Hein? Il y en a qui sont pressés. Il y a le journal de 20h ici aussi. Vous allez le louper. Alors, les redoublants, c'est qui les redoublants déjà? Il y en a quelques-uns au fond là-bas. La pierre a été trouvée en quelle année? Ils n'écoutent pas quand je parle. Ça ne sert à rien. En quelle année a été trouvée la pierre? Elle a été trouvée en 1966. Ça fait 52 ans. Un homme qui s'appelait Lucas. Lucas, c'est un nom de famille. Il avait deux prénoms, Laires Luciano Lucas. Il était exploitant d'une carrière et il sortait les cailloux de la mine. Un jour, il a rempli un camion d'agate. La pierre, c'est une agate. On suppose qu'elle était sur le camion qui a été chargé pour le client. Quand le camion est chargé, le client, il monte sur le camion, commence à écarter les pierres qui ne lui plaisent pas. On suppose qu'elle a été écartée. Pourquoi? Il voit la pierre. Alors, il est monté. Oui, c'est ça. Il est monté, voilà, le camion chargé, il écarte. Alors on suppose qu'il était dans le camion comme ça. On suppose. Elle était fermée comme ça. Comme ça, elle a la forme du cœur humain. L'orifice en haut semblerait à la sortie de l'aorte des veines du cœur, un cœur humain. Ce sont les médecins qui le confirment. Est-ce qu'il y a des médecins là? Non. En général, ils ne disent pas.
un cœur humain. Le client, il est monté, il commence à écarter les pierres qui ne lui plaisent pas. Il voit la pierre, elle a un trou, elle est creuse. Donc, pour le commerce, ça vaut rien. Pourquoi ça vaut rien? Parce que les agates, on les coupe en tranches pour la décoration. Et si je fais des tranches là-dedans, il y a un trou mieux, ça vaut rien. On suppose qu'il la jette du camion. Moi, je vais la reposer sur la table parce qu'elle fait 8 kilos. Hein? Elle sera mieux sur la table. Alors, on suppose qu'en tombant sur le choc, elle s'est ouverte. La seule certitude qu'on a. Le lendemain, Lucas s'y passe à côté du tas de pierres qui a été écarté, les deux morceaux séparés côte à côte. La pluie a commencé à laver la terre à l'intérieur, les petits brillants que vous avez vus, ça brille au soleil, attire son attention. Il prend les morceaux, il va laver à l'eau, et là il s'aperçoit qu'il a quelque chose d'important entre les mains. L'histoire dit qu'il réunit sa famille, sa femme et ses enfants, il leur dit « Nous sommes en présence de quelque chose qui est supérieur à l'homme ». À partir de ce moment-là, il va prendre la pierre, il la fait voir, il la prête aussi, quand c'est possible aux personnes qui le demandent, et toujours sans aucun bénéfice, toujours gratuitement. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Cet homme est décédé en 1981. Le fils aîné, Hugo, aujourd'hui, qui a la responsabilité de la pierre au nom de la famille, continue à faire ce que faisait son père, il prête la pierre quand c'est possible aux personnes qui le demandent, toujours gratuitement. Moi, j'ai rencontré la pierre en 2007. Je suis parti en Uruguay, avec un groupe par hasard, on a rencontré la pierre, on a invité Hugo à venir en France, il est venu la première fois en novembre 2008 à Paris. Et depuis, chaque année, la pierre est venue en France, en Europe. On n'avait pas imaginé que ça prendrait autant d'importance. Alors on a fait l'Europe, le Nord, le Sud, et puis etc., d'autres pays, d'autres continents, voilà. Je suis aussi parti en Indonésie, en Afrique du Sud, là je vais partir au Québec, le mois d'octobre, ça fait la troisième fois que j'y vais. Cette année je suis parti en Uruguay au mois de mars, je suis revenu en avril, je suis revenu le 19 avril à Paris, première réunion fin avril, pour sortir la pierre du pays. J'ai un papier de la douane d'Uruguay, qui m'autorise à sortir la pierre du pays, l'exposer à travers le monde comme une œuvre d'art. Il est stipulé, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de vente, c'est avec ce papier que je passe les frontières. Date de sortie qui est marquée dessus, je suis sorti le 18 avril de Montevideo, je dois ramener la pierre au plus tard, le 15 décembre, à Montevideo. On s'est mis bien sûr d'accord avec la famille pour les dates de sortie, de retour. Pourquoi au plus tard le 15 décembre? Parce que chaque année, la famille veut avoir la pierre chez eux pour passer les fêtes de fin d'année. Donc on est en train d'organiser le retour au mois de décembre. Voilà, depuis 2 ans, depuis qu'on a fêté le cinquantenaire de la découverte de la pierre, 2016. Tu étais là toi? Ouais, c'était le grand voyage. On a fêté le cinquantenaire, elle avait été découverte. En 1966, 50 ans après, on a fêté la fête. Alors, depuis, la pierre est reconnue par l'État d'Uruguay comme faisant partie du patrimoine national, culturel et spirituel de l'Uruguay. Donc partout où elle va aujourd'hui, elle est suivie, ils savent partout où je vais, bon, on l'encontrera, ils me font confiance, mais c'est devenu quelque chose d'important pour l'Uruguay. Pas autant que l'équipe de foot, hein, parce que quand même, mais quand même, ça commence. Voilà. Alors le principe, ben, c'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, Laetitia et Pascal, ils m'ont envoyé un mail, tu viens, ben, je suis là. Ouais. Elle a insisté, elle n'a pas lâché l'affaire. Alors comme aujourd'hui, voilà, ils ont préparé ça, ils ont organisé tout. Moi, je suis le chauffeur, j'amène la pierre. Depuis le début, ça fait la 11e année quand même. C'est à peu près 1300 personnes qui m'ont proposé d'organiser des réunions pour partager ce cœur. C'est un réseau informel. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de chef. Je crois que c'est unique au monde. C'est tous ces gens qui ont envie de partager, donc moi j'amène la pierre quand c'est possible. Voilà. Et bon, il y a eu des anecdotes, il y a des gens qui ne sont pas
qui voudraient qu'on fasse une organisation, une ONG. Enfin, c'est bizarre ce qui se passe. Hein? Ça donne des ambitions à des personnes qui voudraient prendre le contrôle de l'affaire. Alors, pour l'instant, c'est comme ça. On m'avait dit qu'il faut faire une ONG. Un gars était venu, il y avait le dossier. Il m'a dit, tu auras les subventions de l'ONU, tu auras des machins, enfin, c'est foutu un peu de ma gueule. Il y en a qui veulent prendre le contrôle. Parce que si tu fais une organisation, il y a une structure, il y a un pouvoir, il y a des chefs, il faut payer l'entrée, il faut organiser, tu payes. C'est plus la même dynamique. Alors, on fait ce qu'on veut. Voilà. Alors, le principe, l'accès est toujours gratuit. Voilà, des fois, payer des salles. Alors, moi, je suis en retraite, donc je ne suis pas en attente de revenus. Voilà, je précise, je ne suis pas pauvre, je ne suis pas riche. Et puis je suis bien. Je manque un peu de sommeil, c'est tout. Alors, mais pour faire ce parcours, je ne pourrai jamais payer tout ça. Donc vous avez, il y a une boîte là-bas. Je n'ai jamais réussi à la remplir. Hein. Chacun met ce qu'il veut pour couvrir les frais. Ah, les frais d'occasion, des fois. Des fois, c'est pas grand-chose, des fois, c'est plus important. Et les voyages et tout ça. Il y a des photos, hein, des photos là-bas. Il y a... Alors, on parlera tout des photos, ça peut être un outil pour se connecter à l'énergie, pour faire des choses. Les photos, vous mettez... Alors, s'il n'y a pas de vente, on met ce qu'on veut, hein, on participe comme on veut. Je précise à chaque fois que s'il y a des personnes qui n'ont pas d'argent, et ça existe, hein, on n'a pas de pognon, vous voulez prendre des photos pour faire votre propre expérience, travailler, vous prenez ce que vous avez besoin, même si on n'a pas d'argent, voilà. Pourquoi ? Parce que par rapport à l'histoire de la pierre, celui qui a trouvé la pierre, le père Lucas, il a refusé de la vendre. Et à l'époque, il avait des dettes, il avait une famille à nourrir, il avait besoin de pognon, il était fauché. Alors les marchands sont venus, ils proposaient de l'argent. Il a dit non, je ne vends pas. Et ça crée de gros problèmes avec la famille. Hugo, aujourd'hui, qui est responsable de la pierre au nom de la famille, à l'époque, a coupé les ponts avec son père, parce qu'il ne voulait pas vendre la pierre. Elle dit, si tu as la pierre, on n'a plus de problème d'argent. Eh bien non, on ne vend pas, c'est un cadeau pour l'humanité. Donc voilà, on essaye de maintenir le cadeau. L'accès est toujours gratuit et on ne vend que dalle. Alors les photos, ça peut être un outil. Les photos, on en parle tout à l'heure, il y a autour des photos, il y a l'histoire en plusieurs langues, espagnol, français, anglais, allemand, italien. Là, il y en a moins, il n'y en a que trois. Et puis, au bas des photos, il y a l'adresse du site internet, lechemindducoeur.org. Tu veux savoir où je vais demain ou après-demain, hein? Ah, c'est sur le calendrier. Ah, vous allez voir, vous cliquez calendrier, vous avez, j'ai pas encore terminé, le calendrier de novembre. Novembre-décembre. Il y a aussi mon adresse mail, on peut m'écrire seulement des mots gentils, sinon ça va en spam. Hein. Ok, les photos, il y a aussi des DVD. On connaît, alors il y en a un, il y en a un autre là-bas que j'ai oublié. Je vais le chercher, je m'en vais, je reviens peut-être, c'est pas sûr. Alors, c'est pour vous dire un peu ce qu'il y a là. Il y a un DVD, le chemin du cœur. Là. Alors, il y en a qui ne connaissent pas. Enfin, c'est pas grave. Il est visible en entier sur YouTube, également sur le site internet le chemin du cœur. Ça dure une heure, c'est un reportage. Voilà, un jour à Paris, un cinéaste vient voir la pierre, Bruno Vienne. Alors, il est invité par une amie, il avait dit, moi, des cailloux, je n'ai rien à faire. C'est bon. Et finalement, il se retrouve là, par hasard. Quelqu'un de très sensible, un cinéaste, un professionnel. Et il s'est relevé, il m'a dit, on va faire un film. Ah bon ? Et le lendemain, il est arrivé à sa caméra pour filmer ce que je raconte à Paris. Alors j'ai dit, Bruno, ça ne va pas, l'histoire, c'est l'Uruguay. Donc on est parti à l'Uruguay avec un caméraman pour filmer là-bas le pays, la famille, les améthystes, les scientifiques, les témoignages, etc. Revenu en France au témoignage. 2011, on a fait la version française. 2012, la version espagnol, 2013, version anglaise. Il y a les trois versions sur le film, DVD. Mais on peut le voir aussi sur Internet. Voilà. Donc, vous pouvez le prendre. Il est là-bas. Il n'y a pas de prix, on se compte. Voilà. Pas petite histoire, moi je me suis retrouvé le producteur financier du film. Hein, à l'époque, mes économies de boulot sont passées dans. Mes enfants étaient inquiets. Mon fils qui travaille à la banque, il me dit, tu fais quoi papa? Il dit, je fais un film. Mais tu vas le vendre comment ton machin? J'ai dit, je le vends pas. Alors, c'est vrai qu'il y a une période un peu tendue.
Puis finalement, j'ai récupéré au fil du temps mes dépenses. Là, ils sont rassurés. Ah, voilà. Donc, si c'est juste, ils vont nous envoyer les moyens pour continuer. Là, il y a un autre DVD. Un monsieur. Vous le connaissez? Qui c'est qui connaît cet homme? C'est toujours l'Uruguay. C'est pas un joueur de foot, non? Et pendant 3 minutes, on fait la politique, donc c'est pas la peine de vous énerver. C'est l'ancien président d'Uruguay. C'est Pepe Mujica. Hein? Alors cet homme, il a été président. Alors voilà. Quand il a été président, il donnait 90% de son salaire à des associations pour faire des logements pour les sans-abri. Alors en tout cas, chez nous en France, ils font pas ça. Hein? Peut-être ici, ils sont plus gentils en Belgique. C'est pareil. Ils sont plus. Enfin, moi. Ouais. Donc, c'est quand même particulier, cet homme. Hein. Alors, il a été président. D'ailleurs, il a été, quand il était président, il a refusé d'habiter le palais présidentiel. Il continue à habiter sa ferme avec les toits en tôle. Hein. Et puis, d'ailleurs, au mois de juin 2010, il avait été élu président au mois de mars 2010. En juin, c'est l'hiver, là-bas, il y a des gens dans la rue. Il a dit vous les abritez au palais présidentiel. Hein, on peut rêver qu'un jour chez nous, les clodos à Paris, soient abrités à l'Elysée. Hein. Il y a eu 153 morts cette année à Paris de froid. Eh oui, alors que bon. Hein. Bon, c'est nos politiques, ça. Ils font des leçons de morale et de démocratie aux autres. Enfin, bon, cet homme, il a été interviewé par une amie qui s'appelle Lucia. Et je l'ai aidé à faire le film, on a fait le montage. Interview espagnole. Sous-titré français, français-anglais d'ailleurs, je crois. Alors, techniquement, on n'avait pas de gros moyens. Alors, on l'a fait à montage, c'est un film amateur. Mais je trouve important de partager l'histoire et puis ce qu'il raconte cet homme. Et il a des messages sympas. Par rapport au monde aujourd'hui où c'est des voyous qui dirigent le monde, hein, des crapules en tous les sens, un peu de morale, ça c'est pas mal. Cet homme, c'est un philosophe, hein, il a lu Sénèque. Alors il y a plein de petites histoires marrantes, il y en a une qui me plaît beaucoup. Il a été invité quand il était président en Allemagne, il a fait un triomphe, officiellement. En Espagne aussi, en Belgique non, en France non plus. En France c'est Mélenchon qui l'a invité, hein, c'était beaucoup plus discret. Le roi d'Espagne lui a rendu la visite officielle après, là-bas. Alors quand il parle, le roi, quand il a fini le protocole officiel, il dit à Mujica, moi je voudrais venir chez toi. Je voudrais que tu m'invites chez toi. Et Mujica lui dit, mais tu sais comment c'est chez moi? Il dit, oui, oui, je sais. Alors il dit, bon, mais je t'invite. Mais tu viens seul, moi tes gardes, je n'ai rien à faire. Ils ne viennent pas chez moi. Il y a une voiture qui t'amène devant chez moi, ma ferme. D'accord. La femme à Lucia, la femme à Mujica s'appelle aussi Lucia. Une dame, à l'époque, elle était présidente du Sénat. C'est elle qui a fait le repas le soir. Ils ont passé la soirée à trois. Lucia, la femme à Mujica, Mujica et le roi. Le roi, quand il en parle, il a les larmes aux yeux. Il dit, c'est la première fois de ma vie que j'ai parlé politique avec un homme. Il a parlé vrai. Donc voilà. L'histoire de ce monsieur, il a plein de témoignages, il raconte. Je trouve que c'est important, c'est intéressant. Les messages qu'il peut porter dans ce monde de voyous. Hein, voilà. Bon. Alors, le film, je vais le laisser là, parce que l'autre, il est là-bas sur la table. Là-bas, c'est le côté spirituel. Hein. Mais comme je me suis fait engueuler que je faisais la politique, donc on va laisser hein, le film à Mujica, on va laisser là. Si vous voulez prendre le film, vous les cherchez là, voilà, et puis vous mettez ce que vous voulez dans la boîte, c'est pareil. Ok, ça va? Ça va pour le pognon, tout bien? Ok. Alors, la pierre, qu'est-ce que vous voulez savoir? Il ferme pas la route, tu m'avais dit tout à l'heure. Hein? Ah ouais. Tu m'as dit, t'as pas mis ta voiture en travers. Alors la pierre, elle a été étudiée par des scientifiques, ça vous intéresse? Un petit peu, on s'en fout, de toute façon ils en ont compris. Alors le premier qui a étudié la pierre, il s'appelle Claudio Gaucher, c'est un chercheur en géologie à l'université de Montevideo.
Alors, avec ses collègues, ses chercheurs, ils ont observé la pierre du microscope, matériel électronique, matériel moderne, tout bien. Plusieurs jours, plein d'informations, qui s'embrouillaient tous, les ordinateurs plantés, totalement. Ils n'ont rien compris. Pourtant, ils ont travaillé, ils ont cherché, ils ont essayé. Alors, il a fait quand même un rapport, il fait 6 lignes. Il dit, la pierre, c'est une agate. OK. La pierre date de 130 millions d'années. OK. On m'a expliqué que pour faire la datation d'un minéral, il y a des protocoles scientifiques à suivre dans le bon ordre pour valider scientifiquement la date qu'on attribue au minéral. Alors j'ai demandé au Claudio, est-ce que tu as le rapport, le certificat? Ah, il m'a dit non. Et pourquoi? Ah, parce qu'on n'a pas pu faire. Ils n'ont pas arrivé, ils n'ont pas su faire. Ça partait dans tous les sens, complètement incohérent. Donc ils n'arrivent pas à faire une datation scientifique. Alors, il a une idée, parce qu'il fallait qu'il donne... Quand on a un savant, tu veux qu'il doit dire la vérité, hein, c'est obligatoire. Ça. C'est dans le monde entier, surtout en Occident. Hein. Alors il a réfléchi et puis il explique. La roche volcanique, le basalte, qui compose la mine d'où s'est sortie la pierre, cette roche date de 130 millions d'années. Donc pour lui, la pierre vient de là, elle date de la même période. Par comparaison, 130 millions d'années. C'est une hypothèse qui est devenue une vérité mondiale. Mais il n'y a pas la preuve. Et la preuve, il y en a que ça énerve. Hein? Surtout en Occident. On va avoir la preuve scientifique. Eh bien, il n'y en a pas. Parfois, je me suis un peu agressé. Enfin, alors voilà, moi, la preuve, je m'en fous. Hein? Ça va? En tout cas, il n'y est pas. Et puis, quand on parle de façon 130 millions d'années, c'est impressionnant. Hein? C'est le respect. C'est quelque chose d'important dont tout le monde se tire, d'habitude. Hein? Alors on va dire que c'est vrai. À l'intérieur, les petits brillants, tout le monde a vu la pierre là. Ce sont des cristaux de quartz. Géologiquement parlant, le quartz dans une agate, c'est quelque chose tout à fait ordinaire et courant. Ce que les scientifiques n'expliquent pas, c'est la disposition des cristaux dans la pierre. Le phénomène de cristallisation dans une agate en forme de géode, c'est une pierre creuse. Comme ça, les géologues expliquent ça bien. À un moment, à l'intérieur, il y a de l'eau, du gaz, la chaleur. Et ça cuit comme dans un four. Et c'est là où les cristaux vont pousser. Ils vont grandir. La pierre grandit, ils vont se colorer. C'est ce qui donne les futurs géodes améthystes. Et quand il y a des cristaux à l'intérieur, il y en a partout, sur toute la paroi, à l'intérieur de la pierre, de manière uniforme. Dans cette pierre, il y a des cristaux simplement sur certaines parties de la paroi. Et encore disposé de manière très particulière. Pour les scientifiques, c'est un mystère. La première chose qu'ils ont vérifié, ce n'était pas une falsification, un bricolage, un artiste qui voulait faire une œuvre d'art et coller des cristaux à l'intérieur. Ils confirment, c'est bien une incrustation naturelle, ce n'est pas la main de l'homme qui a fait ça. Donc pour eux, ça reste le mystère scientifique, la manière dont se sont positionnés les cristaux à l'intérieur. Alors de ces figures, des interprétations sont données. Hugo nous dit dans la pierre, Hugo, propriétaire, il nous dit dans la pierre, il y a les symboles du christianisme. C'est ce qui voit, qui connaît, qui reconnaît l'Uruguay, la Mer du Sud, c'est plutôt chrétien, catholique. On va chercher ce qu'on connaît, le symbole chrétien. Il y aurait aussi d'autres interprétations. Il y aurait des lettres hébraïques, des codes runiques, celtiques, bouddhiques, japonais, chinois, des mayas, des incas, des codes aborigènes, des codes égyptiens, des constellations, des mots arabes, des codes tamouls, des codes hindous, etc. Patati patata. Comme si chacun, quand il cherche, va trouver ce qui lui correspond, ce qu'il connaît, ce qu'il reconnaît, ce qu'il a étudié, en fonction de sa culture, ses connaissances, ses croyances, etc. Si dans la pierre il y a un message, sans doute un message universel de paix et d'amour pour l'humanité entière, et chacun le traduit à sa manière. Côté scientifique, côté message, troisième aspect, énergétique, vibratoire, magnétique, rayonnement. Depuis le début, c'est quasiment 100 000 personnes que j'ai rencontrées autour du caillou. L'homme, je ne sais pas, parce qu'il y a les redoublants, enfin, il y a un chiffre important. C'est plus de 100 000. Alors, comme beaucoup d'énergéticiens, alors, il y a des gens qui travaillent avec les minéraux, hein, avec l'énergie, etc. Ils ont fait des géobiologues, des radiesthésistes. Ils ont fait plein de mesures sur la pierre pour connaître son vibratoire et son rayonnement. Ils sont d'accord pour dire que cette pierre aurait une vibration exceptionnelle.
qui peut varier en fonction des lieux et des personnes qui sont autour. Et ça peut même monter très haut des fois, et ça peut être pour certaines personnes inconfortable. Hein? Ça peut secouer. Alors, voilà. Des fois, ça peut être... On n'est pas bien. Hein? On a la tête qui explose, on a... Ça serre là, on respire mal, on a mal au ventre. Ça peut le faire. Hein? Des fois, on ne sait pas trop ce qu'on a, donc ça peut secouer. Ça peut le faire. Santé. Alors, non, mais j'ai vu des cas extraordinaires. Il a fallu des fois sortir des gens, ils s'écroulaient par terre. J'ai vu des gens qui ne pouvaient pas rentrer dans la salle. Ça peut arriver. Des gens hyper, soit chargés, fatigués, crevés, enfin je ne sais pas. Et ça... Alors, si ça vous sentez pas bien, alors, ne pas paniquer, c'est pas négatif. C'est en train de vous enlever un truc qui n'est pas bien pour vous. Même si on ne sait pas. Hein, ça peut secouer. Donc on respire... On peut aller prendre un peu l'air, respirer un coup. Des fois, il faut du temps pour approcher le petit caillou. Hein? Il y a des gens hypersensibles. L'autre jour, il y avait un jeune homme sur un chariot et les parents, ils voulaient. Là. Je me suis énervé, j'ai reculé. Il criait, il hurlait. Il est allé au fond et ça s'est calmé. 2 heures après, il a pu s'approcher. Vous savez, des autistes, des gens hypersensibles, donc on veut le charger. Non, il faut prendre le temps. Mais des fois, avec des gens qui paraissent normaux, c'est pareil. Hein? Ils peuvent s'agiter, on avait tout vu. Donc c'est pas la peine, il faut goûter son corps. Je rassure quand même tout le monde, il n'y a jamais eu de mort. Donc normalement, tout le monde, ça c'est pour l'assurance de la salle. Hein? Pour rassurer tout le monde. Donc, normalement, vous allez pouvoir retourner chez vous ce soir. En principe, hein, si tu le veux. Hein. Alors, le meilleur moyen pour savoir ce que la pierre peut donner, il y a 2 conditions. 1, le silence. Et là, vous êtes nickel. Hein. 2, couper la tête. C'est symbolique, hein. Il y en a qui flippent déjà. Non, non. Coupez la tête. On débranche. On respire. Zen, cool, on relaxe. On appelle ça lâcher prise. Hein, en français correct. Enfin, zen, on lâche tout. Mais c'est compliqué. C'est le plus difficile à faire, surtout en Occident, pour oublier tout ce qu'on a appris. Moi, je vous propose d'oublier tout ce que vous avez appris sur les pierres. On apprend des trucs par cœur, la pierre fait ça, tel, machin, on oublie tout. Hein? Bon. 2, oubliez aussi que vous avez pris sur l'énergie. Vous avez fait des stages, il y a sûrement des gens, des experts là. Hein? Je sens bien, on travaille l'énergie, on a fait des tas de stages. Oubliez tout. On oublie tout, on débranche, relaxe comme ça. On lâche normalement comme ça, on s'endort. On a envie de dormir, hein? C'est normal. Moi, quand j'ai parlé 20 minutes, la plupart des gens, ils s'endorment. C'est fait exprès, c'est voulu, c'est que ça marche. Donc, vous pouvez dormir, je ne serai pas vexé parce que vous n'écoutez pas ce que je raconte. C'est pour ça qu'il y en a qui redoublent. Hein. Ils ont rien compris, ils reviennent. Alors, parce que ce que je raconte, de toute façon, ça n'a aucun intérêt. L'important, c'est d'être là. Hein, on lâche, on débranche, on respire, on écoute son corps, son cœur. Ça suffit. C'est la seule chose à faire. Donc je vous souhaite une bonne sieste. Allez, tu fermes la porte pour qu'il ne sorte pas. Jusqu'à minuit ce soir. Ça va. Ça a l'air, hein. Il y en a qui dorment déjà. Je les vois. Alors, pour ceux qui ne dorment pas, d'abord on va essayer de ne pas réveiller les autres. À part s'ils ronflent trop fort. Hein. Vous avez le droit de les soulever. Oui, parce que quand même, il ne faut pas exagérer. Alors après, on va regarder les photos. Alors, il y a des personnes qui viennent, il y en a qui,
qui connaissent déjà. Ça fait 10 ans, c'est la même. Hein. Ouais. Ce sont des photos des figures qui sont dans la pierre. La taille réelle de la figure, elle est comme ça. C'est sur la paroi là. Hein. Alors, les scientifiques sont surpris parce que le contour des figures est bien fait. Normalement, quand il y a des cristaux de quartz dans l'agate, normalement, il y en a partout sur la paroi de manière uniforme. Et là, les contours sont bien définis. La couleur dorée, c'est parce que c'était fait en studio sous des projecteurs. Donc, ça fait ressortir le doré cristallin du quartz. C'est pour ça qu'on dirait que c'est doré. Mais c'est bien des cristaux qui sont à l'intérieur. Alors, de ces figures, des interprétations sont données. Hugo nous dit, les autres, tout le monde, il y aurait un cœur, un ange, je ne sais pas quoi. Enfin, vous dites ce que vous voulez. En haut, à droite, il y a le bec d'un oiseau, là-bas. Oui, ça. Soit il y a des larmes, soit le fou rire. C'est les mêmes émotions. Hein. Ah oui, ça, on l'a vécu. Là, l'oiseau. Le poussin. Non, la colombe. La colombe. Les ailes de la colombe ressembleraient à la carte de l'Uruguay, le petit cœur au milieu. Et qu'on nous dirait, si dans la pierre, il y a un message de paix d'amour qui part de l'Uruguay à travers le monde, il sera transporté par la colombe de la paix. C'est pas beau, ça? Ah, que c'est beau, oui. Pour les chrétiens, la colombe, c'est le symbole de l'Esprit Saint, le christianisme. Alors, il y a des astrologues, ils voient des étoiles, il y a plein de trucs, hein. Des constellations. Je vois, monsieur m'avait fait un tracé, il voyait 4 constellations. Sur un papier, il voyait Sirius, Orion, 2 autres, je ne sais plus quoi. Et 3 mois après, c'est revu, il m'a dit, il faut oublier tout ce que je t'ai raconté. C'est beaucoup plus compliqué que cela n'y paraît. Quand tu travailles sur la photo, à l'ordinateur qui zoome, comme s'il y avait plusieurs couches, plusieurs niveaux d'information. Comme si dans la figure, il y avait une partie de l'histoire de l'univers. Alors il m'a dit, c'est trop compliqué pour moi. Après moi, j'ai répondu, pour moi aussi. Hein? Il y en a qui voient des visages, c'est étonnant plusieurs fois, personne ne voit Jésus. Moi, je regardais, je ne vois rien, mais il y en a qui voient Jésus. Des fois, il y en a qui voient Marie. Ah, c'est marrant, 2 personnes à côté. C'était assez amusant, ça, faire des sketchs. Puis un jour, un monsieur, il voyait Mireille Mathieu. Alors, il était inquiet. Alors, je l'ai rassuré. Je lui ai dit, t'inquiète pas, ça va passer. Ah, si vous avez des visions, ne paniquez pas. Normalement, ça passe. Hein? Ah, normalement, sinon, ça finit je ne sais pas où. Mais... Alors, comme ça. Une fleur, un poisson, la grossesse, comme ça. On voit aussi le chapeau de Napoléon. Ça, c'est pour l'écorce. Hein? On peut déconner, ils ne sont pas là. Alors, le sapin de Noël, l'as de pique, etc. Enfin, vous voyez ce que vous voulez, hein? Moi, ça m'est égal, hein. Tout est possible. Alors, ça va? Vous n'avez pas sommeil? Moi, oui. Alors, on va essayer de tenir le coup. Alors, on a haute la photo. Si je me mets là, elle est solide la table, oui? Ça va aller. Alors, la lettre J. Le J de qui vous voulez, hein? Tranquille. Il y aurait des lettres hébraïques. Il y aurait le Yod, symbole du Père, le Nun, symbole de la Mère. Si je mets le point en bas, les premières lettres de l'alphabet arabe, Ab, qui signifie Père en arabe. Père, Yod, Nun, J, etc. Voilà, puis après, il y en a qui voient, là, il y en a qui voient un dolmen. Ça, c'est la Bretagne. Des menhirs, des machins, des Gaulois. Enfin, je ne sais pas quoi. Il y en a qui voient la carte d'Israël. On m'a raconté plein de trucs. Hein. Bon. On n'a pas le temps. Hein. Prenons le temps. Alors,
le J, le C. Ça fait J, C. Ça fait quoi? Jean-Claude. Ah, c'est Jean-Claude Van Damme ici. Hein. C'est la star. Il m'amuse cet homme, il est rigolo. Mais il n'est pas idiot. Hein. Il a des réflexions des fois par rapport à notre monde merdique là. J.C. Jésus-Christ si vous voulez. Hein. Le C. Alors, le C. Au bout du crochet là, on peut voir là des têtes de serpents, de crocodiles. Le C. On voit, on parle des Celtes, le code celtique, le bracelet celtique, le crochet, Celte. Le C, là, il y a un point là, devant le C. Quand la figure, le C, le point incliné à 45 degrés, c'est le symbole des chrétiens d'Orient, les premiers chrétiens. Le C avec le point devant, au-dessus, vertical, c'est une lettre persane qui parle de Dieu. La formule exacte, je ne m'en souviens plus, mais 5 ou 6 fois, on m'a parlé de ça. Mais je me souviens que c'était beau. Ah, ça parle de Dieu et d'amour, c'est magnifique. Mais je n'ai pas réussi à retenir, comme je n'ai pas vu écrit, ça s'embrouille partout là. Bon, là il y a un point noir. Hein? La toile n'est pas déchirée. Je vous soupçonne de douter. La toile n'est pas déchirée. C'est un petit trou dans la pierre qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc c'est pas la peine de s'arracher l'œil pour essayer de voir. On ne voit pas. Il faut une loupe spéciale. Hein? Mais bon, comme s'il y avait un faisceau qui éclaire la paroi, quelque chose. Alors les chercheurs, ils ont un qui ils cherchent. Hein? Mais il y en a qui abandonnent, mais d'autres qui lâchent pas l'affaire. Les chercheurs qui cherchent. On m'a envoyé au moins 5 ou 6 fois un document de 30 pages et plus qui explique le point noir pour être le point noir du triangle des Bermudes. Là-bas, les Caraïbes, et la photo après, la carte de l'Atlantide, du pays Atlante. Alors, la petite blague, c'est que 50 km à l'est de Montevideo, il y a une ville qui s'appelle Atlantida. Et pour les chercheurs qui cherchent, l'Atlantide aurait pu être dans la région de Rubé. Mais comme on dit chez nous, hein, les chercheurs qui cherchent, on en trouve, et les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Alors peut-être un jour, on va trouver ce qu'on cherche. Vous trouvez ce qu'on ne cherche pas aussi, des fois. Hein. Voilà. Bon, moi, je suis le chauffeur. Hein. Alors, je n'ai pas le temps de chercher. Ça va? Ah ben, il paraît que c'est de l'araméen. Plusieurs fois, on me dit ça. Ce sont des gens qui savent, là, c'est savant. Ils ont fait des grandes études. Hein. Ils ont écouté les maîtres, surtout. Voilà. Le C. J, C. Alors, la suite. À quelle heure vous voulez partir? Hein? Les enfants, ils n'ont pas faim. Vous avez fait manger les enfants, moi. Ils n'ont pas mangé? Tes parents indignes, quand même. Vous voulez un gâteau aux enfants? C'est pas moi qui l'offre, c'est Laetitia et Pascal. Mais si jamais vous avez faim, il faut manger un peu quand même. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit là? Ah, les enfants, qu'est-ce qu'on lit là? 1000. Non, mais ils ont la Game Boy, ils ont le smartphone. 1000, etc. On dirait des écritures. Hein. D'ailleurs, il y a un monsieur, il m'a dit, il voyait le nom, le prénom, et les lettres de son prénom, comment t'appelles? Il m'a dit, je m'appelle Nicolas. Alors, il a vu Nicolas, mais je ne sais pas comment il a fait. Hein? Comme quoi, tout est possible. Hein? Ouais. Mais il y aurait des lettres hébraïques et des runes, des codes runiques. Si je tourne en envers comme ça, et si je lis de la droite à gauche comme ça, c'est un mot arabe qui veut dire Allah. Allah en arabe. Alors, c'était un peu controversé, mais validé. Ouais, un professeur d'arabe me dit, ça veut dire Allah,
c'est plutôt de l'arabe ancien. Ce qui veut dire que dans le langage parlé, courant, écrit aujourd'hui, on peut ne pas retrouver tous les signes, mais ça veut dire Allah. Alors la petite blague, c'est qu'il y a 3-4 ans, une jeune femme franco-syro-libanaise, elle me dit, quand tu parles de Allah, il faut préciser, parce qu'il y a une connotation qui n'est pas juste. Allah n'est pas réservé à l'islam. Les chrétiens arabes, les juifs arabes, tous les arabes parlent de Allah. C'est Dieu en arabe. Elle m'a envoyé un document pour décrypter Allah depuis l'origine. Moi, je trouve sympa de partager ça, parce que l'ignorance, ça crée des confusions, des quiproquos, des malentendus, et après, on se fout sur la gueule. Et tout est fait pour qu'on soit ignorant, pour qu'on se foute sur la gueule. Et bien maintenant, vous le savez, tout le monde peut parler de Allah. On est tous frères. Voilà, ainsi soit-il. Ça va ? La messe est dite. Hein? Non, c'est vrai, hein? Quand on se sépare, et puis l'autre il est vexé parce que tu parles de Allah, il croit. Tu te fous de sa gueule? Pas du tout, mon frère. On parle de Dieu, hein? Mais Dieu qui est en nous. Bon, allez. On arrête un peu de délirer. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Un poisson. Tiens, c'est quoi comme poisson? Grande question, hein? C'est un poisson pané. Hein? Il n'est pas encore né, c'est ça, ouais. Ouais, le poisson, symbole chrétien, symbole égyptien, symbole de beaucoup de religions, symbole essénien. Hein, vous allez voir sur Wikipédia, symbolique spirituelle du poisson, beaucoup de religions de spiritualité utilisent le poisson comme symbole. Donc le poisson n'est pas réservé aux chrétiens. On le partage. Comme Allah. On est tous frères. Hein? Voilà, on partage tout. Ainsi soit-il. Comme ça. Le prince sur le i. Une tête de pharaon. Enfin, ce que vous voulez. Hein? Vous voyez autre chose? Non, c'est pas grave, tant mieux. Ouais. Un jour, une dame, elle prenait des photos de tous les posters que je prenais comme ça. C'était une femme, une jeune femme indienne, elle avait son iPad tout neuf, elle était contente, elle sort de sa coche, ça brillait tout neuf. Elle m'a dit, je vais faire des photos du cœur. Génial. Et tous les posters, elle faisait des photos. Et quand j'ai mis ce poster, elle a appuyé, elle a fait une photo. Et en fait, elle s'est mise à crier, j'ai cassé la machine. Et je suis allé voir la machine. Elle avait appuyé une fois sur la machine. Et il y avait trois photos successives identiques. Toutes les photos étaient en deux parties. Sur ce côté de haut en bas, il y avait la colonne. Et de l'autre, de haut en bas, il y avait une note d'amant blanc. Alors j'ai dit, mais t'as peut-être un message. Donc elle a refait la photo. Et la dame en blanc a disparu. La photo est devenue normale. Et puis tout le monde a fait des photos. Et la dame en blanc n'est jamais revenue. Et ils ont fait 200 photos. Eh bien, moi, j'avais mal au bras. Ça a duré un moment. Hein. C'est une vraie mission. Hein. C'est vrai. Alors, ça va? Vous n'avez pas sommeil? C'est pas normal. Hein. Parce que je fais tout pour vous endormir. Et normalement, ça marche. Hein. Alors, une note, la ultima. Ces photos, on passe vite parce qu'on y a passé des heures là-dessus à se raconter des histoires. Et puis chacun fait voir un peu toutes les connaissances. Il y a plein d'érudits, hein. On explique tout. Alors, là, il y a le point noir de tout à l'heure. Donc, pour les scientifiques qui cherchent, la photo représente la carte de l'Atlantide, du pays Atlante. Donc, on m'a donné l'adresse d'un site internet, je suis allé voir dessus. Il y a des cartes, certainement, d'Atlantide. Le problème, c'est que le site était en allemand, j'ai rien compris, donc je ne suis pas resté longtemps. Et j'ai 3-4 personnes qui m'ont dit, mais on va traduire. Ouais, d'accord, ouais, bon, bref. Alors, comme ça, viens là, on peut regarder. Et ton câble, il n'est pas solide, là, si, ça va. Comme ça, on peut voir l'arbre de vie, une danseuse d'étoiles, une toile de mer, une patati patata.
Enfin, comme vous voulez, hein, comme ça. Un dinosaure, un animal préhistorique, hein, un dragon. La tête, les pattes, la queue là-bas, il y a beaucoup d'étoiles, de machins. En haut là, les ailes. Là, on peut voir un profil. Là. Un visage. Là, je suis en train de vous orienter, de vous manipuler pour vous dire ce que vous devez voir. Et vous avez intérêt à voir. Sinon, ça ne va pas le faire. Un personnage. Un deuxième. Un troisième, un enfant dans les bras. Jésus, Marie, Joseph. La messe est dite le christianisme. Pour Hugo, c'est la photo principale qui, pour lui, qui explique la photo principale, qui prouve que dans le cœur, il y a le christianisme. Il va plus loin et précise. La Sainte Famille, elle n'est pas sur un âne, non, c'est pas la fuite en Égypte, et sur un dragon dans la Voie lactée. Là, c'est le retour du Christ. Amen. Amen, c'est moi qui rajoute. Hein. Plus on va regarder longtemps, plus on voit des choses. Mais des fois, plus on voit rien. Ça dépend à quel moment on regarde. Si c'est tôt le matin, tard le soir, à la pleine lune. Si c'est avant ou après l'apéro. La vision le change. Hein. Moi, j'ai testé ça. On est allé à la Réunion, on a passé 15 jours à la Réunion. Tous les soirs, il y avait le rhum arrangé. Et chaque fois après, on regardait la photo. On n'a jamais vu la même chose. La connexion, ça bouge tout le temps. Hein? Donc, il faut oser expérimenter, hein? Tester les choses, les visions, les connexions, les messages. Ouais. Il y en a qui font ça, puis après, ils parlent et on croit qu'ils sont sérieux. Enfin, la bonne... bon, enfin bref, ça va. Si vous voyez rien, c'est pas grave. Il ne faut pas être inquiet parce que tu vois rien. Hein, tu n'es pas malade, tu es en bonne santé, tout va bien. Hein, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde, voir des choses. Mais il y a beaucoup de choses. Par contre, là, la photo, elle crache. Des fois, en général, au premier rang, ils tombent. Là, ils sont un peu agités. Parce que c'est trop fort. Bon, ça va? Alors, on continue. La ultime. Là. Après, il n'y en a plus. Hein. Là, c'est un montage photographique. L'idée, je n'ai plus l'accordéon là. Hein. L'idée est de placer sur la photo l'ensemble des figures qui sont dans la pierre, dans le cœur, et de les placer sur la photo de la même manière qu'ils sont placés dans le cœur. Alors, les écritures sont sur la paroi du fond du cœur. Il n'y a aucune écriture sur la paroi du haut. Si je ferme le cœur, j'imagine que j'enlève le couvercle, je regarde au fond et je vois ça. Si je veux traduire le message, le texte il est complet et dans le bon ordre. On voit par exemple que le C est d'un côté, le J de l'autre, ils n'ont pas juste à poser, ils étaient pareils, patati patata. Quand je joue à le poster, je préfère Jésus-Christ, pourquoi pas, mais ça ne coule pas de source. Et les points, les tirés, les barres, tout ça, ça fait partie du texte. Alors au début, j'ai rencontré beaucoup de personnes, des gens qui savent, vous savez, qui expliquent aux autres ce qu'est la vie. Alors ils ont fait des études, enfin ils croient, ils ont écouté un maître. On appelle ça des maîtres. Il n'y a jamais de petits maîtres, il n'y a toujours que des grands maîtres. Et quand ils parlent, ils détiennent la vérité. Et ils expliquent aux autres. Et on pense que c'est la vérité. Au début, on m'a dit, on va t'aider à trouver le secret du message du cœur. Eh bien, moi, j'étais content. Et d'ailleurs, je suis toujours content. Mais plus ça va, moins je sais. Moi, je sais une seule chose, je sais que je vous apprendrai rien du tout. Vous n'êtes pas déçus ? Je vous avais dit que vous pouviez dormir. Hein? Chacun voit ce qu'il veut. C'est ça qui me plaît beaucoup. Hein? Parce qu'au début, quand les gens commençaient à expliquer tout ça, moi, j'étais pas dans le truc, hein? J'étais content. Mais aujourd'hui, mais non, mais on se raconte des histoires. Vous savez, s'il avait laissé faire aujourd'hui, c'est facile de faire une église. Hein?
Très facile. Aujourd'hui, on ferait 200 mètres à genoux, hein, avant d'approcher la pierre. Un grand truc, il y avait plein d'accoutrements, de machins, hein, des tam-tams. Il y avait beaucoup de choses. Hein. Une corbeille au départ, quand même. Hein. Une bonne enveloppe, ça c'est obligatoire. Mais non, moi, la seule personne, faut quand même faire manger les petits, ça c'est bien. Bonne soirée. Ça. Alors, moi la seule personne qui me guide, c'est le père Lucas, celui qui a trouvé la pierre. C'est pas un chaman, c'est pas un savant, c'est pas un scientifique, c'est pas un maître, c'est pas tout ça. Le type, il sort des cailloux de la terre. Il a dit, on est en présence de quelque chose qui est supérieur à l'homme. 52 ans après, le mystère est total. On n'y comprend rien. Et c'est ça qui me plaît. Moi, j'étais informaticien avant. Il a fallu tout vider. Maintenant, j'y comprends rien, je me régale. Ah ouais. J'ai promené le caillou, voilà. Hein? Donc, il nous a laissé libres. On a le droit, parce que la pierre, elle ne parle pas. Mais quand tu écoutes quelqu'un qui croit que t'explique ce qu'est la pierre, pour moi, c'est une erreur. Il peut parler, mais la personne qui explique, il pense que c'est la vérité. Et encore l'autre jour, il y en a tous les jours, il y en a. Je me dis, la pierre, c'est ça. Elle vient d'une planète, etc. Pff, ouais. Mais d'abord, mettez-vous d'accord quelle planète. Ils sont jamais d'accord. Ceux qui extrapolent et qui imaginent des trucs. Alors au début, t'es affirmative, et puis t'as lu un livre, machin, scientifique, bon. Mais ça va. À la fin, franchement, t'as raison. Hein. C'est des conneries de vouloir expliquer. Une leçon d'humilité. Alors Hugo, il parle du christianisme. Pourquoi ? Son père, il n'a jamais parlé de ça. Non. Et pourtant, ils étaient catholiques, mais ils sont cathos, mais ils ne vont pas à la messe, ils s'en foutent. C'est la culture. Hein. Il faut être attaché comme à un groupe. C'est les cathos, d'autres ça sera les musulmans, d'autres ça sera les machins. On diversifie un peu, on va chez les bouddhistes. On va... Ça, c'est la mode, hein. Ça, c'est le New Age. Mais bon, et là, maintenant, moi, j'ai dit à Hugo, tu sais, les prophètes. Jésus, Bouddha, Mahomet, Shiva, Krishna, les prophètes, ils n'ont jamais raconté ce qu'on leur a fait dire. Eux, ils parlaient de paix et d'amour. Ah, c'était facile. Mais qu'est-ce qu'elle a fait l'humanité? Elle a commencé à faire des doctrines, des enseignements, des théories, hein, des religions, des dogmes, des clans. Et après, on s'est foutu sur la gueule par amour pour le même Dieu. C'est ça l'humanité. Et puis ça continue. Il y a combien d'églises chrétiennes qui se foutent sur la gueule? Combien d'églises musulmanes qui se foutent sur la gueule? Même combien d'églises bouddhistes qui se foutent sur la gueule? Et puis tous. La pierre, elle ne parle pas. Moi, ça me plaît beaucoup. Elle va parler à chacun de manière particulière, personnelle, intime. On a le droit en fonction de sa culture, ou du livre, ou du maître qu'on a écouté, enfin on s'en fout, avoir une idée, une interprétation. On a le droit. On a même le droit de changer d'avis sans référer personne. On est libre. Ça me plaît beaucoup. Hein? Et en plus, moi, ça fait 10 ans, je vois des gens tous les jours, truc. On préfère des sketchs. L'humanité crédule. Mais c'est énorme. Alors il y a les anciennes religions qui ont un peu pris le pouvoir sur les peuples, ils ont joué à la politique, on a maintenu la fatigue. Mais le New Age, c'est pareil, c'est pas plus open, non? C'est tout aussi fermé, des groupes, des théories. Pour moi, la pierre, elle m'a libéré. Ah ouais. Bonsoir, madame. On a dit que le dernier amenait l'apéro. Il a pas dit. Ah, on va voir. Alors, c'est la première fois. Deuxième. Comment? Deuxième fois. Ah bon, tu connais alors? Oui, c'est bien. Ouais, tu connais l'histoire. Pourquoi tu reviens? Pardon?
Pourquoi tu reviens? Je reviens. Ah. Pour un moment particulier, je pense. Pour une collection spéciale. Pourquoi? Pour une collection spéciale. Ouais. On peut en savoir un peu plus. Je suis curieux, moi. Hein. Tu diras tout à l'heure. Alors, bon, voilà. Alors, on a fait le... Voilà. Enfin, si tu veux, hein. C'est pas obligatoire. Ça va, il y a des questions? De toute façon, il n'y a pas de réponse. Mais ça n'empêche pas de poser des questions quand même. Hein. Ça peut donner des idées à d'autres. Hein. Parce que moi, elle m'a changé ma vie. Hein. Avant, j'étais normal. Ouais, maintenant, on m'a dit que j'étais un peu fêlé comme la pierre. Mais il paraît que c'est bien d'être fêlé pour laisser passer la lumière. Mais quand même, on est un petit groupe, là, on est de la même famille. Hein. Il y en a qui est fêlé quand même ici. Hein? On est pareil, on s'en fout. Hein? Alors, vous avez combien de temps? On a... Il y a les redoublants là, vous ne pouvez pas me dire quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Non? Pourquoi on vient voir la pierre? On ne m'a pas demandé pourquoi on ne la touche pas maintenant, j'ai mis des... En trois exemplaires, ne pas toucher la pierre. Des fois, il y en a qui ne savent pas lire. Je suis venu par curiosité. Comment? Je dis, je suis venu par curiosité. Je voulais la voir. C'est bien, il faut être curieux. Il y a des bonnes curiosités. Ah... C'est une drôle d'histoire. Vous savez, s'il avait écouté ceux qui m'aiment, la famille, les amis, je ne serais pas là. Il n'y a personne qui comprend pourquoi on fait ça. Surtout les proches, d'ailleurs. C'est terrible. Hein? Vous savez, mes anciens collègues, ils ne me parlent plus. Almeraz, il est parti dans une secte. Mais je confirme, hein. C'est moi le gourou. Et ça les calme. Ça fait référence à rien. Alors, bon. Oui, moi j'ai des milliers de témoignages. Moi ça a changé ma vie, beaucoup de choses. Mais alors, je ne suis pas seul. Ça, je sais. Des milliers de personnes qui m'ont témoigné des choses. La plupart du temps, par mail, ou alors qu'ils m'appellent ou qu'ils m'envoient des SMS. C'est difficile à parler en public, parce que souvent ça touche l'intimité, et c'est pas facile, on sait jamais qui y a là. Les gens me disent, je peux pas parler là, parce que j'ai pas envie qu'on parle de moi derrière, qu'on se moque de moi, et c'est bien. Bon. Alors, il y a des personnes qui confirme avoir été guéri après avoir rencontré la pierre. De maladies importantes. C'est arrivé quelques fois, 3-4 fois, des gens qui témoignent en direct, être sortis du cancer, ils expliquent en détail le processus de guérison par rapport au départ où ils ont rencontré la pierre et puis les photos et tout ça. Alors, moi je dis merci du témoignage, mais pour la personne qui raconte, c'est sa vérité. Et puis il n'y a jamais de preuve. Donc on accueille, merci, moi je n'interprète jamais d'interprétation, d'explication, mais on remercie le témoignage, et en même temps, il faut être prudent, parce que même si, en apparence, il y a des résultats qui peuvent être identiques,
Pour moi, le processus est différent parce que nous sommes différents. Et la police le sait, hein. On a tous un code ADN différent, une vibration cellulaire qui nous est propre. Donc la pierre envoie à chacun la fréquence qui correspond. On ne sait jamais ce qui va se passer pour chacun de nous, hein, même à partir de maintenant d'ailleurs, parce que nous sommes différents. Alors que tout est fait dans la société pour nous mettre dans des cadres, des formats, on fait des techniques qu'on généralise et tout ça, alors qu'on ne sait pas. Moi, plus ça va, moi je sais. Et plus ça va, je pense que l'humanité ne peut pas savoir. C'est trop complexe. Même le corps humain, c'est 100 000 milliards de cellules. Au revoir, il a sommeil le petit, je comprends. Bonne nuit, mon grand. Il n'a pas eu son gâteau. 100 000 milliards de cellules. Bon, ça, c'est récemment, d'ailleurs, qu'on explique ça. Comment on peut avoir la prétention d'expliquer comment fonctionne le corps humain? Parce qu'en plus, il y a tout le paquet vibratoire, énergétique, électrique, il y a plein de choses. Alors, on connaît des bouts, et puis après, il y a des grands savants, ils ont beaucoup de diplômes. Enfin, bref. C'est très complexe. La guérison, c'est pour ça qu'on accueille. La grande majorité des témoignages, les gens ils disent tout simplement, ça ils m'appellent, c'est incroyable, je me sens mieux. Je me sens bien, c'est plus cool. Comme si approcher le cœur, ou même des fois avec une photo, permet de se libérer de ce qui nous empêche d'être bien, peinard, cool, serein, heureux, tranquille, quoi. Qu'est-ce qui nous empêche d'être bien? Hein? Les croyances, les films qu'on se fabrique, qu'on se raconte, le regard des autres. Hein, il faut être le plus beau, le meilleur. Tout ça, la culpabilité, on s'en coupable de beaucoup de choses. On a mal éduqué nos enfants, hein, on a fait des vauriens, etc. On est coupable de tout. Et puis les peurs, la peur de l'abandon, de ne pas être connu, de ne pas être beau, de ne pas être aimé, de ne pas avoir du pognon, de perdre son pognon, la peur de la maladie, la peur du chômage, la peur de la mort, la peur de toutes les conneries. Toute la vie, on nous balance des peurs. Tenez, hein? Imaginez si on libérait des peurs. Deux manières de vivre, on est dans la peur ou dans l'amour. La peur, c'est tout ça, le stress, la pression, ça sert. Hein? Notre corps physique, c'est un corps vibratoire, toutes les cellules sont en fréquence. Quand on est serré dans la peur, le stress, eh bien ça sert, ça fait mal. Hein? C'est une vibration serrée. Ça fait mal et le mal a dit. Dans la peur ou dans l'amour. L'amour, c'est, pour moi, c'est physique, c'est quantique, c'est un état vibratoire. Hein, je suis bien. Pourquoi? J'en sais rien, mais je m'en fous. Je me sens peinard, cool, tranquille. Les petites cellules, elles sont sur la fréquence d'amour, la bonne vibration. L'amour, c'est la plus grande force univers. Hein, quand on a obtenu cette paix, sérénité, ou vibratoirement, physiquement, le corps, hein, les cellules, elles sont en phase vibratoire d'amour, c'est la plus grande, ça balaye tous les autres. Et puis elles sont contentes, les petites cellules, elles se mettent à bosser, elles font un excellent travail de réparation. Moi, c'est des milliers de personnes qui m'écrivent, un petit mail, un SMS, tout ça. Tu sais, le médecin n'a rien compris. Le médecin n'a rien compris. Moi, c'est pour ça que je promène le caillou. Comment ça marche? J'en sais rien, mais je sais que ça marche. Plein de personnes m'expliquent ça, le médecin y compris. Donc voilà, je promène le caillou. Hein? Alors, bon, mais c'est normal. Alors, on peut, la meilleure manière d'apprendre, c'est l'expérience. J'ai des photos qui sont là-bas, vous pouvez prendre des photos. Alors, des photos, on s'amuse à faire des trucs. L'eau, vous connaissez Masaru Emoto? Le japonais hein, qui travaille, vous le connaissez, maintenant il est mort, hein, il y a 3 ans, 4 ans. Il travaille sur les molécules d'eau, tout le monde connaît, il photographiait une eau qui est polluée, un japonais il faisait des photographies, des molécules. Une eau polluée, la molécule était explosée, en général c'est l'eau du robinet, l'eau qu'on boit. Et puis il avait rencontré une fontaine d'eau pure dans la montagne au Japon, où une eau qui est chargée d'amour. C'est au pur, on a des belles photos de cristaux dans le cul d'eau. Un collaborateur à cet homme en Suisse allemande a fait des expériences et photos du cœur.
Il prend une carafe d'eau distillée, c'est de l'eau morte, il prélève les photographies, la molécule est exposée. Et il met la carafe d'eau sur une photo du cœur et toutes les minutes il prélève. Au bout de 14 minutes, la molécule s'est reconstituée, restructurée, réénergétisée. On a des belles photos de cristaux dans les molécules d'eau qui ont séjourné sur la photo du cœur. Aujourd'hui, c'est des milliers de personnes qui mettent la carafe d'eau sur la photo du cœur et tout le monde confirme le change de goût, etc. Plus elle va rester longtemps sur la photo, plus la vibration sera élevée. Et c'est des pleines personnes qui mesurent, il y en a qui savent faire. Un copain, il a fait une vingtaine, ils ont mis l'heure où ils mettaient le verre d'eau du robinet sous les photos. Alors, et puis ils mesurent ton vibratoire en fonction du temps. Il me dit, c'est ton truc, c'est bluffant. Hein? Plus tu vas laisser longtemps, plus la vibration, le taux vibratoire sera élevé. Hein? Donc tu peux, et tu as un chat, hein? Tu as un chat à la maison, tu donnes une coupelle d'eau que tu donnais avant, et l'autre coupelle, une eau qui est restée un certain temps, une journée, sur la photo du cœur. Tu mets les deux coupelles, et tu essayes de l'embrouiller, et lui va toujours trouver laquelle c'est la bonne eau. Parce qu'il n'est pas merdé comme nous avec le mental. C'est purement vibratoire, il va sentir la bonne fréquence, il va la chercher. Donc, mais nous, on ne sait pas faire ça. Hein? On a besoin de preuves scientifiques. Le chat, il s'en fout. Hein? Alors, l'eau, avec l'eau, tiens, il y a eu l'année dernière. Non. Oui, il y a 2 ans, je ne sais plus. Je reçois un mail de Singapour. J'étais passé en Indonésie. Alors, je reçois un mail au mois de janvier. J'étais passé l'année précédente au mois de mai. Alors, une personne m'écrit, voilà, j'étais venu te voir à tel endroit, je ne sais plus où c'est qu'elle était venue. Et puis, j'ai pris des photos, puis j'ai fait ce que tu as dit. Hein, j'ai pris des photos du cœur. J'arrive chez moi, j'ai mis une carafe d'eau sur la photo du cœur. Et la photo et la bouteille, j'ai mis ça dans le placard. Et j'ai fermé le placard. Et j'ai oublié la bouteille. Au mois de mai l'année dernière. Au mois de janvier, elle m'écrit, elle me dit, voilà, moi ça fait 3-4 mois, je suis crevé, nas, capoute, déprimé, j'ai des douleurs partout, je ne dors plus. Ben, mal, mal. Et j'ai tout essayé, et je ne m'en sors pas. Et par hasard, je suis tombé sur la bouteille d'eau qui était dans le placard, sur la photo du cœur, et je me suis mis à boire l'eau. Et ça fait 2 jours que je bois l'eau. Et elle m'écrit, je suis guéri. Cette eau, c'est un médicament. Merci, soyez bénis. Moi, je vous répète, je ne vais pas vérifier. Hein. Si c'était vrai ou faux, il n'y a pas de preuve. Je ne fais que répéter ce qu'elle a écrit. Faites l'expérience. Tu mets une photo, tu laisses des mois la bouteille dessus. Hein, puis après, tu ne fais pas pour expérimenter. Tu prends une cuite, tu as mal au foie et tu bois de l'eau. Peut-être ça va nettoyer. Ça peut supprimer les aspirines, toutes les conneries, les mauvaises digestions, les mal à la tête. Essaye. Pour le savoir, il faut faire l'expérience. Voilà. Parce que moi, je n'ai pas la preuve. Il y en a souvent qui me disent, mais tu n'as pas de preuve scientifique. Eh ben non. Moi, j'en ai marre des preuves scientifiques. J'en peux plus. Alors, faites vous-même votre expérience. L'eau. Alors, tu ne dors pas, tu mets la photo sur l'oreiller. Qui c'est qui a essayé? Ouais. Et alors, on ne dort plus du tout? Comment ça marche? Les enfants ont essayé. Comment? Les enfants ont essayé. Les enfants, ils ont dormi. Ça va, oui, ils dorment encore, depuis l'année dernière. Ils dorment toujours d'ailleurs. Ils dorment plus. Non, ça fait du bien, ouais. Et toi? Moi, la photo du cœur, elle est dans notre esprit soin. Ouais. Je l'utilise régulièrement, et quand je vais nettoyer la maison, je vais toujours déposer la vibration. Tu es dedans. Et pour le sommeil, tu avais déjà le sommeil, ça passe, bouger. Bon, enfin. Ouais, tu dors bien, ouais, alors c'est bien, continue. Alors il ne faut pas changer. Alors, donc des fois, voilà, on ne dort pas, ou des fois, une fois j'étais à Nantes, un thérapeute, il dit, moi je dis, toujours un patient, ils ont une douleur à la tête, n'importe où, tu prends la photo, tu mets où t'as mal. Il dit, mais ça marche, ils sont tous contents. Alors, voilà, il faut l'expérimenter, ça. Hein. Comme on a une vibration qui est particulière, puis ça dépend aussi, comment on est chargé ou pas, etc., ça peut bouger des choses. Ok. Alors, si quand même il y a eu l'année dernière un truc pas mal, hein. Au mois d'août, j'étais dans le Morbihan,
Et à la fin, il y a une femme qui dit, moi je veux témoigner. Bon, mais on vous écoute, madame. Elle n'avait rien dit toute la réunion. Et puis elle dit, voilà, moi c'est la première fois que je vois la pierre. Mais il m'arrive un truc, depuis de nombreuses années, elle n'a pas précisé le nombre, j'étais très mal, fatigué, des douleurs partout, dépressive, et ça fait des années que ça dure, très très mal. Et puis un jour, une copine m'a donné une photo du cœur. Elle m'a dit, tu la mets sous l'oreiller. Et je suis arrivé, j'ai mis la photo sous l'oreiller. À 3h du matin, on appelle le SAMU, à l'hosto, à examen, scanner, des nodules qui poussent dans les organes, d'une violence dure. Alors le médecin lui dit, bah, écoutez madame, il y a du boulot à faire, il faut nettoyer. Alors il était en colère contre la photo du cœur et surtout contre l'abruti qui distribuait la photo. Mais heureusement, je n'étais pas là. Donc ça s'est passé. Mais quelques jours après, le médecin va la voir. Il dit, madame, vous avez de la chance. En général, quand ça pousse, il n'y a aucune douleur, on ne sent pas. Et quand ça commence à être douloureux, parfois c'est tard et bien souvent c'est trop tard. Et là, c'est tout petit, on n'a jamais vu ça, que ça fasse si mal. Un coup de radiothérapie, on va nettoyer. Elle est venue, elle a dit, moi, la semaine dernière, j'ai été examiné à l'hôpital, et je suis en rémission. Ils m'ont tout nettoyé. Je viens remercier le cœur de m'avoir libéré de ce que je portais à moi et que je ne savais pas. Ça veut dire que, hein, des fois on croit qu'on est bien, etc. C'est pas une pierre ordinaire. C'est pour ça que je disais, oubliez tout ce que vous avez appris. Il se passait des choses beaucoup plus subtiles. Hein. Voilà. Alors, les entités, ça vous parle? Non? Ça vous parle? Non? On s'en fout? On ne veut pas savoir? Hein? Si. Non, parce qu'il y en a qui rigolent, moi je m'en fous, hein. Mais j'ai vécu plein d'expériences et vu plein de personnes. Depuis 2-3 ans, c'est quelque chose qui remonte à la surface. Hein? Tu veux, il y a le monde visible, ça en a besoin en tant qu'oxygène. Et puis il y a ceux qui sont invisibles. Mais il paraît qu'ils sont plus importants les invisibles, hein, que les visibles. Enfin, il y a du monde. Bon. Alors, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, un monsieur qui était venu d'ailleurs de Belgique, qui était venu au Mans, sur la France, Réunion. Alors il vient, alors il me dit, bon, il vient le matin, bref, première réunion à 10h, puis ça continue l'après-midi, puis à 13h, c'était la pause. Donc à sa coûte à l'association, et il y a un monsieur qui vient me voir, il me dit, voilà, moi, Michel, il faut que je te parle. Ouais. D'abord, je te dis, je viens de Belgique exprès voir le cœur, pour te dire que c'est important pour moi. Il était venu au camping-car la veille, et ses deux enfants qui sont grands, il était venu. Ah bon. Il dit, voilà, moi, depuis 25 ans, je suis habité par une entité. Quelque chose de costaud. Il a fait le tour des cathédrales d'Europe pour se faire libérer. Il dit, j'en ai eu plein qui partaient en courant, ils avaient peur d'attraper. Deux fois, ah oui, deux fois je vois le cœur en Belgique. Deux fois pendant 3 semaines, je suis bien. Et puis ça revient. Alors il est resté des jours, longtemps, les photos du cœur, seul, comme s'il voulait rentrer dans cette énergie, en pensant recevoir un petit message, une indication. Elle a dit, je crois que j'ai reçu un message, il faut que je reste plus longtemps près du cœur, la pierre. Bon, bah écoute. Donc il est resté la journée. À 7h du soir, il vient me voir. Je ne l'ai pas reconnu. Ça y est, je suis libre. Et il m'explique dans le détail ce qu'il a vu sortir de son corps. Hein, des filaments. Ah, ça y est. C'est parti. Ah bon, t'es sûr? Ouais. Je repars en Belgique. Il prend la route pour la Belgique avec ses enfants. Un mois après, je l'appelle parce que comme il m'avait dit la première fois, ah, ça y est. Alors, il avait d'autres choses à traiter parce que depuis longtemps, il écrasait des machins, il fallait qu'il libère. Il faisait un travail.
de libération. Je l'ai vu l'année dernière, la pêche, la forme. Il était un peu déçu que je ne passe pas chez lui. Moi, j'étais crevé, je dis, ben, cette année, je vais aller chez lui. Il m'a réservé un lieu près de Bruxelles, une salle. Mais, hein, bon. À Pervès. Je vais aller chez lui. Depuis, il a la pêche libérée. Je ne sais pas si vous imaginez. Je suis allé à la Réunion, ils sont dedans. Hein, sur les îles là-bas. Tu parles du vaudou, des machins, il y en a qui s'entretuent. Il y a quelques semaines, j'étais sur la France, à campagne. Il m'a dit, tu arrives à temps. Ils sont en train de s'entretuer dans une famille avec les poupées, les aiguilles, pour une connerie d'héritage. Il y en a un qui est presque en train de mourir, il m'a dit. Alors bon, ça veut dire que quand même, ce monde-là, même si on est très bien éduqué, hein, on a des diplômes et tout, ça marche encore. Je dirais même, on peut se charger parce qu'on peut aller dans un endroit sacré même, on se fait massacrer, parce que des gens qui tripotent les apprentis sorciers, il y en a partout. Ou alors un concert de merde où on a des propos violents, tu vois, des trucs dans les... Quand on analyse certaines chansons anglaises, là, on ne sait pas ce qu'on a... Mais quand les mots, c'est des tueurs, hein, c'est satanique. Alors on peut rigoler, mais des fois tu charges. Et puis tu trouves des gens qui sortent de là et ils arrosent ce qu'ils ont chargé. Ça veut dire que de manière inconsciente, on peut ramasser plein de choses. Et même soi-même, après, on peut les distribuer. C'est comme ça. J'ai trouvé beaucoup de personnes qui ont vécu des choses. Moi, je vous parle de ça, je m'en fous, hein, je n'ai pas à vous convaincre. Mais je crois que c'est important de savoir que ça existe et qu'on peut se protéger. C'est inconscient. Le petit caillou, apparemment, à ce que j'ai vu, c'est un des meilleurs exorciseurs au monde. Tu lui demandes. Il peut te libérer de beaucoup de choses. Alors, il y a des gens. Tiens, la dame qui est à l'hôpital, là, avec la photo. Moi, il y a des personnes, depuis des années, dépressives, mal, douleurs, fatiguées. Les médecins ne comprennent rien. Tiens, il y a une histoire, c'est un gars, il vient voir la pierre, un jour il vient témoigner, il dit, j'ai vu la pierre il y a un an. Ouais, j'étais venu avec ma copine. Ouais, moi la pierre, j'en avais rien à foutre. Mais pour faire plaisir à la copine, il a accompagné la copine, et lui, la pierre, il s'en fout, écoute, il est correct, quoi. L'année suivante, il vient seul. Sa copine travaille. Moi, je viens pour témoigner. Voilà, je suis venu, alors il explique ça, je suis venu, j'en ai rien à foutre. Et il y a 6 mois, j'ai fait un truc que je n'imaginais pas. Une personne de la famille, malade depuis des années. Dépressive. Les médecins, les psychologues, ils ne comprennent rien. Ils ont tout essayé. Et la famille est espérée. Et puis, ça dégringole. On s'attend au pire, comme si elle se laisse partir. Cette personne. Il dit, moi, une personne que j'aimais beaucoup, et j'avais envie de l'aider, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai fait un truc, passe par la tête, j'ai pris une photo du cœur, j'ai mis la photo de la personne sur la photo, j'ai demandé de l'aide. J'ai fait ça il y a 6 mois, aujourd'hui la personne est guérie, physiquement, moralement. Les médecins ne comprennent rien, et la famille est soulagée. Et j'ai rien dit à personne. Pour lui, c'est évident que la demande qu'il a faite a été exaucée, et que ça a pu la libérer, cette personne. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a jamais de preuve. Alors, quelqu'un de l'assistance s'est levé et dit, mais attends, tu avais l'autorisation, le libre arbitre. On apprend ça dans tous les stages. Hein. Tu veux faire un soin à quelqu'un, au moins qu'il soit d'accord, et c'est encore mieux si lui te demande. Le genre de protocole, je suis ton sauveur, est-ce que tu es d'accord pour que je te sauve? Alors que je ne fais rien. C'est un peu prétentieux de point. Alors, voilà, moi, vous faites comme vous voulez. Si vous avez l'intention d'aider quelqu'un, que l'intention est juste, une intention d'amour. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas d'attente. Fais-le et ferme ta gueule. Une leçon,
d'humilité. Hein? C'est comme si c'était un activateur de la foi. Moi, j'ai retrouvé la foi. La foi en la vie, la foi en l'amour, mais l'amour qui est en chacun de nous. Cette puissance d'amour. Hein? On a quelque chose de divin en nous. Moi, le copain Jésus, j'ai juste un copain, quand il a dit tout ce que je fais, tu peux le faire encore mieux, il ne parlait pas au maître, il parlait au peuple, il parlait à nous. Nous sommes tous des guérisseurs. On a tous un potentiel à nous énorme. Alors, cette personne dont il parlait, le monsieur, là, depuis des années, le médecin, il patauge. Peut-être bien qu'elle était chargée de quelque chose. On n'en sait rien. Mais si c'est le cas, c'est normal que les médecins ne comprennent rien. Et moi, quand des milliers de personnes me disent le médecin a compris, voilà. C'est pas une pierre. Comme si on était sur un autre plan. Alors, c'est que c'est un peu compliqué à expliquer. Hein. On a l'habitude hein, de rationaliser tout. L'énergie, les rapports, les machins. Enfin, en fait, moi, je ne me pose plus de questions. Je sais que ce petit caillou, il peut faire du bien à des millions, des milliards de personnes. Pour parler de l'essentiel, c'est compliqué. C'est une leçon d'humilité. La seule chose, meilleur moyen d'apprendre, c'est l'expérience. Faites vos expériences. Les photos, ça peut être un support. Alors, sous l'oreiller, machin. Moi, une copine me dit, son fils, un jour, il était accro de la drogue. Et puis, il était merdé un peu quand même. Et puis, il y avait des photos. Tiens, mais c'est joli, je sais pas. Mais là... Ah, c'est la fin? Elle donne une photo à son fils, il avait 19 ans. Elle met là dans la veste, la poche. 6 mois après, il dit, mais tu sais, j'ai réfléchi, je ne m'étais pas rendu compte. Depuis que j'ai la photo du cœur dans la poche, j'ai arrêté de me shooter. Comme ça. Il y a une autre femme qui raconte, elle disait, son fils, il avait sorti, il avait 24 ans, il avait fait 3 ans de cure de désintox, la drogue dure. Et il était à la maison, il était content, il avait laissé la drogue, il a trouvé un boulot, il a une copine, ils s'organisent, ils vont habiter ensemble un peu de temps. Et puis à un moment, elle rentre chez elle, lui n'était pas encore rentré du travail, elle va chercher un papier dans le bureau de la chambre de son fils. Elle tire les tiroirs, elle dit là j'ai failli m'écrouler. Il y avait les petits sachets que je connais bien. J'étais persuadé que mon fils depuis longtemps, il était là. Tremblait, plus bougé. Le réflexe, c'est le cancer. Cœur du regret. Aussitôt, elle voit, elle dit, elle est partie chercher des photos. Elle a amené une photo, je ne sais pas, je pense, c'était une plus grande comme ça, là. Elle la pose sur sa table en verre. Elle prend tous les sachets. Avec précaution, elle déchire, elle vide tout là-dessus. Quand je fais ça, je me libérais. J'ai quelque chose qui commençait à mieux respirer, tout ça. Sinon, le cardiaque s'est accéléré à fond. Elle respire. Elle finit. Puis elle dit, bon, ben, je vais laisser là. On verra après. Elle va pour sortir de la chambre. Elle arrive à la porte. Elle se retourne. Ça brûle, ça prend feu. Sur la photo du cœur. Et elle doit tout brûler. Elle était contente. Il y a quelque chose qui me dépasse. Ça vient d'une photo du cœur. Ça vient d'ailleurs, c'est pour m'aider. Ça brûle tout. Elle regarde. Puis elle ramasse les cendres, elle met tout à la poubelle. Il devient avoir du pognon quand même, ce machin-là. Et puis elle attend son fils. Mais pas trop inquiète. Le fils y rentre, il dit rien, il prend sa douche, il mange après. Tous les deux. Un jour, deux jours, trois jours, une semaine, rien. Et puis elle dit quand même, je vais en parler, mon fils.
Je viens parler, je veux savoir. Alors il lui dit, voilà, l'autre jour j'allais chercher le papier, j'ai vu ça, j'étais mal, tout ça. Et alors il écoute. Et puis je fais une photo, il explique ce qu'il a fait. Alors il est là, il dit, bon, mais écoute, c'est bien, après tout, c'est vrai que je pensais avoir besoin pour mon anniversaire, mais finalement c'est bien, je m'en passerai, j'ai plus besoin de la drogue. Maintenant, on peut faire un lien avec ça ou pas. Mais c'était quand même une situation compliquée. Et il en avait acheté pour du pognon, qui est parti en fumée. Enfin, voilà. La pierre, Alzheimer. Si vous avez des personnes avec Alzheimer, chaque fois qu'on a mis la photo près d'un malade Alzheimer, à chaque fois le médecin est surpris. C'est vrai qu'Alzheimer, on a commencé à débrancher. Donc ça traverse. À chaque fois, ils sont surpris. J'ai vu des gens Alzheimer dans des réunions incroyables. Ils vont me dire, tu sais lui. Et moi, je ne m'étais pas aperçu qu'ils avaient Alzheimer. Hein, d'habitude, il parle, il dit trois, quatre mots, il s'embrouille. Et là, il a choqué. Il a surpris toute l'association qui était là. Elle est venue me voir, elle dit, mais attends, ça fait 4 ans, on le voit, il raconte toujours blablabla. Et là, il a parlé 10 minutes. De manière cohérente, il a surpris tout le monde. Le monsieur, c'était un ancien chirurgien, il parlait de la pierre, il a bien capté ce que c'était. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre des photos, à utiliser. Maintenant, alors bon, on a mal, ça peut aider. L'eau, le vin aussi, ça peut devenir un grand vin, tu mets un petit vin dessus. Et il y en a qui le font. Toujours une femme elle fait rire. Elle avait acheté un petit vin de table à casino. Et elle explique que son mari n'était pas bon. Donc ils l'ont mis sur une photo du cœur. 4 jours ça durait. Tous les jours, c'était un peu amélioré. Le 4e jour, il était délicieux. Travailler, comme je disais tout à l'heure, comme a fait le jeune homme là. Il y a une femme qui me dit, elle avait une amie. Cancer, et les médecins expliquent à la famille, aux enfants, enfin son mari, qu'elle en a à peu près pour 2 mois à vivre. Donc on prépare toute la famille, elle va sur le départ. Et c'était lourd ce qu'elle avait là, madame. Et elle dit, c'était mon ami, moi j'étais très mal, mais pour l'aider, quoi faire? Et j'ai pensé à ce que tu as dit. J'ai pris une photo du cœur et j'ai mis la photo de cet ami sur la photo du cœur. Elle dit, tu sais, j'ai fait ça. Il y a 1 mois. Et depuis 1 semaine, le chirurgien, il commence, le médecin, il dit, il se passe un miracle. Il y avait une infection apparemment des paramètres. Il dit, il se passe quelque chose. Alors il me demande, tu crois que c'est le cœur? Non, mais j'en sais rien. Est-ce que je lui en parle? Mais surtout pas. Tu dis rien et tu continues. Si on commence à activer le mental, c'est comme si ça coupait l'accès à la vibration du cœur. On continue. On peut aider beaucoup de choses. Alors on m'a fait un discours l'autre jour. Oui, mais tu vas changer le karma, s'il n'est pas d'accord. Enfin, vous faites comme vous voulez, moi je m'en fous juste que tu passes ces conneries. Comme si on pouvait maîtriser la vie. Et le karma. Alors j'en trouve des gens qui affichent, il y en a qui... il faut faire gaffe à la pierre... Faites comme vous voulez, moi. Hein? Non, j'ai rien à vendre. Hein? Pas de prosélytisme. Et en fait, ce sont, pour parler de l'essentiel, il n'y a pas de mots. C'est une vibration d'amour. Hein? Si on parle d'amour entre nous, au bout de 5 minutes, on va s'engueuler. La même parole a une signification différente. On a chacun un répertoire différent. Mais en plus, une vibration qui nous est propre, on ne peut pas s'entendre. Il faut passer au-dessus du mental. Alors, c'est pour ça que d'ailleurs, vous allez rentrer chez vous, à la famille. C'est une opération risquée. Hein? Alors, si vous sentez bien, léger, ne faites pas, c'est formidable, je suis bien, elle va pas voir ton mec ou expliquer, ça va mal se passer. À moins que vous êtes dedans,
soit c'est une démarche en couple. S'il y en a qu'un qui fait le trajet pour expliquer à l'autre, ça ne s'explique pas. Ça ne se raconte pas. Ça se vit. Vous savez que pour certaines personnes, le bonheur, ça peut être une insulte pour l'autre. Moi, j'ai trouvé, il y a des personnes qui avaient retrouvé la paix. Hein, une femme, elle dit, moi, au bout de quelques semaines, elle était bien. Et puis, elle avait des photos. Et puis, à un moment, dépressif depuis des années, tu vis une merde comme ça. Et puis, tu commences à sortir de là. Et donc, tu sens bien, tu sens mieux. Donc, tu vas reprendre ta place. Hein, dans la vie, dans la famille. Mais c'est fait démolir. La belle famille, elle a considéré toujours comme quelqu'un toujours malade, qui ne fout rien, dépressive, une folle, quoi. Et les gens, ils te voient comme ça, pendant 20 ans, ils te considèrent comme ça. Et puis tu changes. Et bien autour. Il faut l'expliquer. Ah oui? Alors, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se barrent. Il y a plein de trucs comme ça. Et je vais, tiens, le, je sais pas, à Autrenny, là, chez une femme qui m'a invité. L'année dernière, je suis allé, elle m'a dit, tu reviens à nouveau. Elle a trouvé une salle, etc. Alors, j'ai vu l'année dernière. J'ai dit, mais t'as vu la pierre? Elle me dit, oui, j'ai vu la pierre il y a 4 ans. Je ne me souvenais pas d'elle, quoi. Ouais, et alors il s'est passé, ah, mais pour moi, ça a bougé. Ah ouais, quoi. Alors j'ai dit, tu veux l'expliquer, là, devant? Ouais, elle a osé parler. Fort. Elle dit, moi, 15 jours après, j'ai pris la décision de divorcer. Ah bon? 7 enfants. De 3 à 17 ans. Elle dit son mari, ça va pas, elle a pris des choses. Quand tu commences à lâcher les peurs, tu vois, libérer les peurs, la vision du monde change, le regard sur les autres change, le discernement change, l'attitude change. Comme si au fur et à mesure tu retrouvais la niaque, le courage. Des fois l'amour c'est dire non. Hein. Souvent on est lâche. On est un couple par le confort. Elle m'a dit, mais c'est incroyable. Ils avaient la maison. Et puis, elle dit, mais ça a été un peu dur, mais bon. Son mari, aujourd'hui, il m'a dit, c'est mon meilleur ami. D'abord, il a assumé financièrement, j'ai gardé la maison. Ils sont toujours dans la maison, avec les enfants. Et maintenant, il y avait quelque chose qui on peut paraître correct, avoir des protocoles qui paraissent beaux et tout ça. Mais il manque l'amour. Elle dit, mais on s'est retrouvés. Et même lui. Bon, maintenant, sa compagne, lui, elle a un compagnon, je crois qu'ils ont fait leur vie, et 4-5 ans après, mais on est bien. C'est pour ça que souvent, on a peur pour changer comme ça. Alors, bien sûr, on peut dire l'amour, c'est périssable. Tatati, il y a quelques semaines, il y a une femme qui vient, elle me parle aussitôt, tu sais, j'ai eu la pierre, non, ah ouais. Ouais, ah ouais, ça a tout changé, c'est incroyable, blablabla, blablabla, l'ouverture du cœur, le chakra, les machins, ouais. Alors ouais, à un moment j'ai dit, bon, alors dis-moi, ah mais qu'est-ce que ça a changé, l'ouverture du cœur, à un moment j'ai dit, écoute, t'es encore avec ton mec ou pas? Elle s'arrête, ouais, mais alors, elle explique ce qu'elle a vécu. Ça a été violent, costaud. Parce que son mec, comme elle le dit, il a compris que de toute façon, si ça ne bougeait pas, je partais. Et il voulait rester avec. Il dit, maintenant, on a commencé un travail, on parle de notre plan, on veut des trucs, mais on a encore plein de choses. Quand tu commences à nettoyer, c'est là où tu réalises que tu n'as jamais fini. Et quand tu commences la première fois, au début, on est tous sur un chemin, mais on n'est pas à la même étape. Alors, s'il y en a un qui est une étape avancée, l'autre, il se rend compte, il ne veut pas supporter, ça explose. Mais je vous assure, c'est extraordinaire, cette réalité. Moi, c'est un chemin initiatique pour moi incroyable. Et le chemin que tu fais, souvent, on ne se remet en cause, tu sais, le matérialisme, le regard, il y a l'image,
Hein, il faut tout bien soigner, que ça soit tout doré. Et en réalité, c'est pas tout à fait comme ça. Moi, les petits cailloux, mais c'est des milliers de personnes. Non, c'est vrai. Mais tant qu'on l'a pas expérimenté, blablabla, blablabla, les théories, l'ouverture. Allez, chacun, j'ai plein de gens qui font des discours. Hein, quand tu le fais avec le mental, c'est pas intégré. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué. Moi, je vois qu'on n'importe quoi, je sais pas quoi dire. Hein, non, mais c'est vrai. Moi, je parle longtemps pour expliquer qu'il n'y a rien à dire. Mais comment tu veux le formuler quand on peut parler de l'essentiel de la vie? C'est des petits détails, mais qui changent tout. C'est la relation des enfants. C'est terrible parce que les enfants, ils voient. Quand tu bouges, eux, ils perçoivent, c'est comme le chat. Hein. Alors, mais tu es obligé, et si tu n'as pas intégré ce mouvement vibratoire, ce changement, eh bien, tu te fais balancer ou tu en prends plein la gueule. Quoi. Donc, c'est important d'avoir conscience de ce qui peut se passer derrière. Parce que c'est un grand cadeau, mais quand même, c'est les autres qui vont te faire voir comment tu as bougé. C'est vrai. Moi, ça a changé ma vie. Avant, j'étais normal. C'est énorme. Si tu ne sais pas où tu vas, regarde où tu viens. Moi, quand je regarde 15 ans en arrière, c'est énorme. C'est ce que je fais, là, si j'étais payé, je ne pourrais jamais le faire. L'énergie, tout ça, ce que pensent les autres, je m'en fous. On avance, c'est vrai. Ah non, mais je t'assure. Alors maintenant, on n'ose plus m'agresser, mais j'en ai pris plein la gueule quand même. Et par des chamanos spiritualistes qui voulaient s'accaparer la pierre. Il y a plein d'histoires, bon, on n'a pas le temps, mais enfin, c'est formateur. C'est formateur. J'ai vu des gens se brûler sur la pierre. Ah, ils ont eu leur message, hein. C'était un peu des bouffons, tu sais, des gens. Ah, il avait la poitrine toute brûlée, toute rouge. Il avait la main toute bleue. Et après ils se taisent. Hein. Ils ont leur message. Il faut fermer sa gueule. Hein. En tout cas, ne pas merder les autres. Etc, etc. Un jour, il y a... Alors, si, il y a des témoignages forts. Il y a une dame qui vient à Toulouse. Alors, elle arrive. L'entrée de la salle était bondée, un truc. Elle avait une photo, elle dit, moi je veux témoigner et parler de mon père. Mon père était en phase terminale du cancer à l'hôpital de Toulouse. Et on commence à expliquer, les médecins, qu'il y en a pour quelques jours. La médecine ne peut plus rien faire. Donc il propose d'amener cet homme chez lui, dans sa maison. Il va mourir chez lui. Et c'est ce qu'ils font. Alors, toute la famille autour. Et puis, deux fois par jour, un infirmier, il vient pour la morphine. Elle dit, malgré toutes les injections, mon père, il gémissait de plus en plus. La douleur de plus en plus violente. Et on était autour. On vivait ça, impuissant. Et puis un jour, une copine lui parle de la pierre. Alors, elle a pris une photo, devant tout le monde, elle explique ça. J'ai pris la photo du cœur et je l'ai mise sur la poitrine à mon papa. Rapidement. Le gémissement a diminué, il s'est arrêté. La respiration est redevenue régulière. Son visage se détend. Il a ouvert les yeux, il nous a souri. Elle dit, on a passé 4 jours merveilleux avec mon papa. Il était bien, il ne souffrait plus. On a été avec lui, on a parlé de la vie, du passé, de la mort. On l'a accompagné 4 jours. Il est parti en paix. Et nous, on est restés en paix, avec une photo du cœur. Alors c'est vrai, quand on a lâché, on a tout débranché, ça traverse. Et après, ça arrose autour. Ça pèse aussi autour. Si on pouvait recevoir, avant d'être presque parti, la vibration, le petit truc que peut nous envoyer ce petit cœur-là, pour apaiser cette vibration d'amour, si on pouvait la recevoir avant d'être parti, ça change la vie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de technique, il n'y a pas de mode opératoire. C'est chacun
qui va trouver par sa quête, son expérience, sa foi, retrouver comment il peut intégrer, recevoir cette énergie d'amour. Recevoir pour soi, on sent mieux, et puis on arrose les autres. Mais ça peut être progressif, il faut du temps. Silence, photo. La photo, ça peut être un outil de connexion. Vous savez que par onde de forme, la photo prend la vibration de l'objet ou des personnes photographiées. Elles ont la même vibration que la pierre, les photos. Donc, on peut transmettre, ça se démultiplie, il y en a partout sur Internet. Il y en a qui regardent, je reçois plein de trucs, on regarde le film pendant une heure, il y en a qui a revu quatre fois le film, Le Chemin du Cœur, là. Je pleurais. Avec une photo, il y en a qui se mettent en... Ils s'écroulent. Ça veut dire que ça peut toucher tout le monde quand c'est le moment. Mais on ne sait pas. Alors, savoir que ça existe. Et puis, à un moment donné, il y en a qui sont venus 4 ans après, ils avaient croisé, je n'avais pas parlé, puis ça m'a bouleversé, et ils reviennent 4 ans après. Comme s'il fallait du temps, de manière subtile, pour se préparer à accueillir ça. Préparer la conscience, je ne sais pas quoi, enfin bon, etc. Donc on ne sait jamais. Moi j'adore les sceptiques. Hein. Les sceptiques, moi j'ai beaucoup de... Je suis venu, tu sais... Il y a toujours du respect. Il y en a plein qui me disent, je n'ai rien senti. Je suis content d'avoir été là. Il a accompagné sa femme, le gars. On a passé un bon moment. Mais on ne peut pas l'enseigner. Il n'y a pas d'enseignement. C'est une proposition pour faire ses propres expériences. C'est tout. Alors ça peut bouger. Alors c'est vrai que ça peut secouer comme la dame à l'hôpital. Ça s'est bien passé. Mais parfois... Pour se libérer de ce que... Hein, c'est l'entité aussi, mais plein de choses. Parfois, ça secoue le corps physique, mais aussi moralement. Tu es complètement déstructuré. Tu perds tous tes repères. Et puis autour de toi, quand tu as des collègues ou la famille ou des enfants, c'est pas évident à gérer. Ça peut ne pas être évident. C'est pour ça que c'est important d'avoir... observation permanente sur ce qu'on en reçoit. Moi, c'est les autres qui expliquent tout à fait comment je grandis. Ils nous font voir ce qu'on ne voit pas. J'aime bien une jeune fille un jour à Paris, je me retrouve à Bordeaux, elle me dit, je suis venu à Paris dans les 18e, là. Ah ouais, bien, puis après je prends le métro dans les 18e. Hein, c'est pas cool toujours. Mais c'est incroyable, les gens étaient sympas, on se met à parler, mais sympa. Jamais vu ça. J'arrive chez les copains. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait? T'es bien. Ils m'ont trouvé échangé, là. Elle a vécu. Pourquoi? Parce que t'as lâché la peur. Vous savez, libérer des peurs, le discernement échange la vision dans l'inconnu. Comme ça, prudence, c'est normal. Mais entre la prudence et la méfiance, c'est pas la même chose. Et quand dans la peur, t'es méfiant, et tu arroses, t'envoies ta peur, et tu vas commencer à créer un conflit. Je dirais même quand tu es lâché les peurs, s'il y a danger, tu le vois mieux. Parce que tu n'es pas aveuglé par les jugements que tu vas noter sur l'autre. C'est plus clair. C'est normal qu'on se méfie dans l'inconnu, tu vois danger, normal. Mais quand c'est basé sur la peur, il n'y a aucun fondement, etc., ça peut dégénérer. En conscience, sans parole, par la présence, la pensée, on peut changer une atmosphère partout. Sans rien dire, il faut l'expérimenter. Ça. C'est là où tu dis, putain, il y a quelque chose. Comme si on avait abusé de paroles. Vous avez tous ces gens qui te disent, ils donnent des leçons, on parle d'amour, on parle de Dieu. Et tu fais quoi? Moi, je vais beaucoup chez les gens. Hein. Même en Belgique, là, j'avais des copains, c'est... Souvent, la femme est tuée, tu sais, mon mari, il n'est pas branché. T'inquiète pas. Plusieurs fois, on m'a dit, mais c'est lui, mon guide. Il n'est pas embarrassé par ses doctrines, ses dogmes spiritualistes, là, chamano, machin, mais il voit clair.
et dans le service, dans l'attention. Quand tu découvres ça, quand tu te libères toi-même de ces formats que tu as appris par cœur, du machin, tu vois mieux l'autre. Je sais qu'il y en a beaucoup quand même de couples qui se retrouvent. Parce que tu vois l'autre à partir de ce que tu as cru apprendre dans un stage, t'es foutu. T'es foutu. Petit caillou, c'est pour nous donner la liberté. Mais il m'a sauvé la vie. Hein. Ça a pris du temps. C'est vrai que j'avais une sacrée couche. Hein. Je n'ai pas fini encore. Mais tant pis, hein, on n'a jamais fini. Voilà, quelle heure il est, ça va? Il y a des questions? De toute façon, il n'y a pas de réponse. Mais on peut se poser des questions quand même. C'est le début d'un travail. Vous savez, tiens, j'ai parlé de Bouddha tout à l'heure. On a fait de la politique, c'est pas bien. Hein? Oui, on sait. La politique. C'est vrai que moi j'en parle. Parce que le monde est dans une merde pas possible. Hein? On est gouverné par des fous, des malades. Alors, tout à l'heure je disais que on peut aider des personnes. Tu utilisais la photo. Si tu vois un connard qui prend une décision au niveau national ou européen, qui n'est pas à sa place. C'est un menteur, un escroc, il y en a quelques-uns quand même. Vous choisissez que vous, on peut mettre plusieurs. Tu vas découper la photo dans le magazine et tu mets la photo de là. Tu les empiles. Ah, tu peux parce que ça traverse. Et tu demandes qu'ils soient mis à leur place. En tant qu'humain, c'est compliqué la justice humaine pour avoir la vérité. Donc tu demandes de lui, il a fait ça, faut être précis. C'est un menteur, un voleur, notre connard de président qui envoie des bombes en Syrie. Tout seul, il a fait ça. Et il veut continuer. Mais c'est un type dangereux, enfin pour moi. Mais il y en a plein d'autres autour, hein. Et d'autres pays. Tu penses qu'il y a des types dangereux, au roi. Hein? Tu veux qu'ils soient mis à leur place, tu demandes de l'aide. On ne demande pas la sanction, parce que c'est... Après, on prend des parties, puis on ne sait pas vraiment les causes. Tu demandes de l'aide, avec foi, qu'ils soient mis à sa place. Si plein de gens font ça, et si tu le fais, tu dis rien à personne. Surtout pas à ton mari ou à ta femme, tu dis rien. Une affaire de conscience personnelle. Consciente de la réalité de la vie. Hein, et c'est ça un acte d'amour. Il faut se demander, et il faut être précis. Et je pense, moi je ne pense pas que c'est un sauveur chamano, c'est pas un sauveur politique ou militaire. Il faut vraiment qu'on arrive à écarter tous ces gens, parce qu'on n'a pas le droit de parler certaines choses. Vous savez qu'il y a un problème, la solution du problème, elle est dans l'énoncé du problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le droit d'énoncer le problème. Le jour qu'on a, il faut déplacer, il faut changer, collectivement, on aura pris une décision rapide. Imaginez, hein, dans cette énergie d'amour. D'ailleurs, moi, je voulais faire le PPDA, le Parti politique d'amour, qu'on a détruit l'amour, c'est n'importe quoi, on croit qu'on l'achète. Et la politique, on a laissé ça, on a tellement dégoûté qu'on a laissé ça entre les mains des voyous. Mettre une vibration d'amour, la politique, vous savez, c'est Saint Augustin qui disait, la politique, c'est la plus haute forme de charité. Dans ce monde spiritualiste, on croit que, mais non, on ne peut pas parler, on va tout seul grandir, non. On est venu faire l'expérience sur Terre. Et sur Terre, on est dans le collectif. On vit avec les autres. Seul, on ne pourra pas démarrer. Donc, la gestion du groupe, c'est un acte politique. Se réconcilier avec la politique en mettant de l'amour dedans.
La vibration, hein? Voilà. Enfin, c'est une idée, si un jour la pierre s'arrête et qu'il ne veut plus, moi je n'irai pas aux élections, non. Mais, secouer les consciences. Le petit cœur peut nous aider à être mieux physiquement, moralement. Hein? Je suis mieux, le corps physique est mieux, le moral va mieux, je suis plus gentil avec les autres, ils sont plus gentils avec moi, c'est énorme. Des choses toutes simples, mais c'est des milliers de trucs comme ça. Après, on prend conscience du collectif. Dans la famille, c'est collectif aussi. Tu peux aider, irradier, vibration d'amour, la politique, le travail, le supermarché, le métro, enfin où tu veux, quoi. Hein? Voilà, bon. Je vous laisse tranquille maintenant. Alors, si vous voulez rester un peu en silence, comme vous voulez, vous approchez la pierre, comme vous voulez. Merci. Muchas gracias.